Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'autre direct, un autre horaire, 10h30 et surtout un autre lieu. Nous sommes ici dans la mairie du 3e arrondissement de Lyon et je reçois aujourd'hui la sénatrice Hélène Comoy-Mouret. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous êtes ici à Lyon, tout à l'heure vous allez partir à l'aéroport de Saint-Exupéry pour finalement présenter aux voyageurs quel est ce concept Ariane. On va y venir, c'est un finalement c'est un fil de sécurité comme on dit, destiné aux voyageurs. Qui permet finalement de recevoir des consignes de sécurité dans un pays où ils sont. Voilà. Donc on va revenir là-dessus bien évidemment. L'actualité aujourd'hui c'est aussi les Français, beaucoup de Français au Brésil, parce qu'il y a la Coupe du Monde, près de 40 000 Français au Brésil. Alors vous étiez allé il y a quelque temps là-bas pour un peu voir justement comment ça se passait avec les autorités locales, comment vous... Parce qu'il y a une sorte de package voyage pour les gens qui sont allés soutenir l'équipe de France au Brésil. Oh, c'est tout simplement un guide du supporter. Nous sommes partis du principe que, bien sûr... un grand nombre de ceux-ci ne seraient jamais allés au Brésil et qu'il fallait leur fournir des informations pratiques sur le pays, les contacts aussi utiles sur place, notamment nos consulats, notre ambassade, et puis aussi leur rappeler les règles de comportement, puisque chacun d'entre eux se retrouve être un petit peu un représentant de la France. Et on peut d'ailleurs être assez heureux, puisque depuis le début de la Coupe du Monde, nous avons près de 20 000 supporters aujourd'hui présents au Brésil. Ça va se décaler un peu. Eh bien, il y a eu à peu près une vingtaine de cas, de petits problèmes à régler. Alors, quand nous y sommes allés, c'était à la fois pour mettre en place un protocole de sécurité avec les autorités locales. Vous savez qu'il y avait eu à un moment une polémique en disant que les Brésiliens n'étaient pas prêts, que tout se passerait mal. Et en fait, ce que j'ai pu constater, c'est des autorités de sécurité intérieure incroyablement bien préparées. D'abord parce qu'ils ont à gérer des mouvements de foule assez importants. Oui, il y a le carnaval de Rio, ils ont l'habitude. Il y a le 31 décembre, il y a eu les MJS aussi, les Journées mondiales de la jeunesse, en 2013. Et donc, et puis tous les week-ends, c'est le pays du foot, du football, tous les week-ends, des centaines de milliers de supporters. Donc ce que j'ai pu voir, c'est qu'ils étaient absolument prêts. Qu'ils avaient tout en place et que nous, au niveau des consulats, eh bien, il fallait se préparer à cette arrivée massive de Français qui, on peut imaginer quand même sur 20 000 personnes ou 40 000 personnes, eh bien, qu'il y en ait certains qui aient des petits déboires, donc, des problèmes. Une vingtaine, a priori. Donc, voilà, des petites choses, enfin, petites vol choses. Et ainsi de suite. Mais nous avons mis, nous, en place un système de bonnes pratiques avec les Brésiliens. Et puis, beaucoup de ces Français ne parlent pas portugais. Donc, ça allait de l'interprète dont on aurait besoin dans un commissariat de police pour que le français se fasse comprendre par les autorités locales, enfin par les policiers, jusque avoir un stock, par exemple, de passeports d'urgence pour ceux qui perdraient leurs papiers ou se les feraient voler. Donc on a eu une approche très pratique. Et c'est facile d'aller voir il y a des Français sur place, des policiers, comment ça se passe? Oui, enfin nous avons dépêché quelques policiers qui travaillent en coordination avec leurs homologues brésiliens, mais ils sont simplement là pour la coordination puisque le reste se fait sur le terrain, donc par nos agents consulaires qui sont préparés, qui ont été formés et puis qui aujourd'hui gèrent peu de choses et je crois qu'ils gèrent peu de choses parce que nous sommes aussi calés sur la prévention et ce guide du supporter, je crois, va dans le sens justement de prévenir les supporters, par exemple, de ne pas aller dans certains quartiers d'une ville qu'ils ne connaissent pas, de rappeler des règles de base de comportement, et si bien que ceux-ci aujourd'hui se comportent parfaitement et j'espère que ça va durer jusqu'à Rio et voilà, que la France ira. La France continue. Hein, on espère qu'elle terminera à Rio, bien sûr. Évidemment. Alors, il y a effectivement aussi les vacances qui arrivent. Là, tout le monde est en train de préparer. On décide de partir en vacances. Il y a quand même des pays dits sensibles. Et là, vous recommandez, on va revenir sur ces pays sensibles, mais en tout cas, vous recommandez aux voyageurs de s'inscrire sur donc Ariane. Comment ça se passe? Il faut aller sur Internet? C'est vraiment avoir le bon réflexe pour préparer son séjour à l'étranger. Alors, ça peut être un séjour professionnel, de vacances, bien sûr, et c'est pour ça que nous faisons cette action de communication aujourd'hui, pour faire connaître. C'est un outil incroyablement simple qui consiste à aller sur le site du ministère des Affaires étrangères, sur le site Conseil aux voyageurs,
de cliquer sur l'application Ariane et d'ouvrir un compte utilisateur où on dépose ses dates de départ et de retour, le pays de destination et bien sûr ses coordonnées, les coordonnées aussi peut-être d'une personne à prévenir en France. S'il y avait un quelconque problème, si la personne se déplace en famille, eh bien, on peut entrer aussi le nom de toutes celles et tous ceux qui accompagnent. Et si la situation sécuritaire du pays devait se dégrader, alors pour des causes multiples, ça peut être des causes naturelles. On a vu aux Philippines, par exemple, un typhon. Oui. En Haïti, il y a des risques sismiques. En Égypte et au Yémen, c'était en août 2013, nous avons envoyé des messages, des consignes de sécurité à ceux qui se trouvaient là à cause de l'instabilité politique du pays. Ça peut être un risque sanitaire, nucléaire au Japon. Enfin, on a tous les scénarios. Et eh bien, la personne recevra un message SMS avec une consigne de sécurité qui est adaptée à l'ampleur du risque. Alors, ça peut être simplement d'éviter, comme c'était le cas en Égypte, au Caire, quand il y a eu les émeutes, ou en Thaïlande, d'éviter certains quartiers. S'il y a un couvre-feu, eh bien, de respecter le couvre-feu, parce que il faut savoir quand même que dans ces pays, les Français ne parlent pas forcément la langue du pays. Donc, et puis, leurs activités font qu'ils ne sont pas branchés non plus constamment sur les informations. Tout à fait, oui. Donc, ils peuvent se trouver au mauvais moment, au mauvais endroit, par hasard. Et c'est vraiment éviter cela. Donc, on responsabilise les Français en leur indiquant que nous pouvons contribuer à leur sécurité, à eux ensuite de prendre des décisions adéquates. Est-ce que vous pensez que les gens partent trop souvent encore sans vraiment se renseigner sur le pays de destination, sur leur pays de destination? Oui, on le voit. Je pense par exemple à des pays. Bon, alors évidemment, quand on parle de l'Irak ou de l'Iran, ou même maintenant de l'Égypte, je pense notamment à la Turquie ou même à la Tunisie, où il faut faire attention. Bien sûr, bien sûr. Alors, bon, la Tunisie, nous avons un système de couleurs qui va donc du vert au rouge, qui est facilement identifiable. En vert, bien sûr, il n'y a aucune consigne de sécurité. Mais à partir du jaune, on peut en effet indiquer et envoyer une fiche réflexe en disant qu'il y a dans ce pays, alors ça peut être par exemple en Haïti, c'est dans jaune, ou en Indonésie pour des raisons naturelles, de problèmes de séisme, tsunami en Indonésie, ainsi de suite. Mais en Tunisie, nous avons la zone côtière en jaune aujourd'hui parce qu'il y a eu des attentats terroristes. Et donc, ce que nous faisons, c'est d'envoyer des fiches réflexes, à savoir comment réagir dans un pays particulier, dans cette couleur que nous lui donnons, mais qui est réactualisée constamment. C'est-à-dire que on peut très bien avoir un pays qui est en zone verte et puis il y a un attentat ou il y a un problème quelconque. Et on change donc. Je vous parle de la Turquie et de la Tunisie parce qu'effectivement, c'est l'une des destinations préférées des Français, qui sont pas chères, etc. Oui, bien sûr. Contrairement, je sais pas, par exemple. Et par exemple, aujourd'hui, la vallée du Nil est en rouge parce que les risques terroristes sont très élevés. Enfin, c'est en tout cas l'analyse que nous faisons. Et puis, il faut savoir aussi que la couleur dépend des capacités des autorités locales à assurer la sécurité des Français. Dans certaines parties du monde, c'est moins possible que d'autres. Donc, pour l'instant. Donc, vous allez partir à Saint-Exupéry. Là, vous allez voir. Les gens, quand vous les rencontrez, c'est ma dernière question, est-ce qu'ils sont sensibles? Est-ce qu'ils vous écoutent ou, Écoutez, oui, ça fait partie du service public. C'est un geste tout simple d'inscription volontaire. Il faut savoir aussi que les données ne sont activées que s'il y a un risque dans le pays et donc la personne reçoit un SMS, mais que les données sont parfaitement confidentielles et utilisées à aucune fin autre que celle de prévenir la personne s'il y a un problème. Donc nous sommes allés à Roissy, nous avons fait une campagne d'information auprès des usagers. Nous allons aussi en mairie parce qu'il est important pour nous que le plus grand nombre soit aujourd'hui informé de l'existence même de ce service qui est gratuit aussi, il faut le savoir. Donc c'est simplement ajouter un volet sécurité, finalement, à un
la planification d'un déplacement. Tous ceux qui l'utilisent aujourd'hui sont devenus accros assez vite à chaque fois qu'ils se déplacent. Mm-hmm. Ils notent bien où ils vont et leur date de voyage. Et je crois que c'est un geste tout simple à acquérir, qui ne coûte rien et qui peut peut-être éviter certains désagréments. Et faire en sorte que le voyage se passe très bien. Merci beaucoup, Hélène Conway-Mouret, d'avoir été avec nous dans l'autre direct. On se retrouve dès lundi.